Et conférence de presse jodia, son conférence de presse comité mobilisation citoyenne pour respect constitution. Pour les bagages, nous voulons présenter solidarité opposition hein, à tout le monde jodia qui est dans une situation difficile. Tant que Marie-Antoinette Gauthier, agronome Louis Buteau, inspectrice la police Marie-Louise Gauthier et tout l'autre monde ont arrêté ensemble avec le juge d'Abrésilio qui est encore retrouvé en prison pour des raisons politiques. Nous tous nous connaissons blague, pas de gain, aucune tentative de coup d'état, pas de gain coup d'état. Ou pas qu'à présenter des monde avec pyjama, des monde avec chemise de nuit, des monde qui gagnent on 500 gourdes et haïtien on 300-400 dollars américains dans main yo. Vous présentez des gens qui ont 70 et 90 ans et vous dites que c'est un coup d'État. C'est une véritable plaisanterie. Et c'est ça qui fait nous porter solidarité dans les gens et nous exiger le plus vite possible la libération de tout le monde. Y compris l'autre prisonnier politique. Tant que les policiers ont arrêté le 21 janvier 2021 à Tigouave. Tant que Koutois ont arrêté qui est en prison. Tant que Anel Belize, Kilik, Babas. Nous exiger la libération de tous les prisonniers politiques et nous voulons faire qu'on ait côté oyé là dans pénitencier national ou bien dans l'autre prison dans pays là nous avec yo en esprit et n'a continuer défendre droit yo et première action gouvernement transition a bien pour le prendre c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Ce sera la première action, le premier acte du gouvernement de transition. Nous pensons à la famille Youri Chevry qui est obligée de quitter le pays parce que s'il était arrêté, nous avons assassiné, nous avons tué. Solidarité nous à la justice parce que je dis la justice a besoin de solidarité. Nous. Jovenel Moïse a révoqué 3 juges dans la cour de cassation. Il dit qu'il mettait à la retraite. Nous avons un ministre de la justice qui sortit en note qui expliquait que le Sénat en 2017 te voyait en liste. C'est dans la liste que vous prenez. Ce n'est pas normal. Le ministre de la justice. C'est le conseiller du gouvernement du président en matière de justice. Il n'y a pas qu'à raconter conneries comme ça. D'accord? Pour engager procédure, pour nommer juge, pour Sénat, voyez monde, il faut gain vacances. Les juges à la cour de cassation sont inamovibles. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à remplacer, il n'y a pas qu'à mettre à la retraite. Et de façon unilatérale, ça n'est pas d'accord. Ou pas qu'à révoquer, ou pas qu'à même qu'à faire une promotion, ça n'est pas d'accord. Bref, il est clair que l'intervention de Jovenel Moïse dans le pouvoir judiciaire est inacceptable et nous apportons toute notre solidarité à tout juge qui est en difficulté, notamment les juges à la Cour de cassation, Mme Wendell Koch, Maître Joseph Messène Jean-Louis et Maître Yvickel d'Abrésil, que Jovenel Moïse remplaçait de façon arbitraire, de façon illégale, en dehors de la procédure tracée par la loi, et nous condamner toute bagaille ça. Je dis à second élément qui est important, la police nationale d'Haïti assume responsabilité. Le policier n'a pas le droit d'exécuter aucun ordre manifestement illégal. Toute manifestation qu'a fait conformément à la loi, la police a une responsabilité pour protéger les manifestants, pour protéger la vie, pour protéger bien le monde à l'occasion de manifestation. Malheur aux policiers qui quittent le pouvoir prendre, à le mettre en faire répression sur le monde. Je demande à tous les policiers d'être responsables. La police est une force républicaine et je connais la majorité policiers pas accepter rentrer dans des ordres là. C'est vrai qu'il y a quelques policiers qui rentrent dans des ordres qui quittent Jovenel Moïse. Mais n'est-ce pas dans la répression, mais malheur à eux-mêmes. Et nous demandons à tous les policiers pour comporter bien parce que la police, son institution républicaine de maintien d'ordre, n'est pas qu'à nommer pouvoir, n'est pas qu'à nommer opposition. Le boussole, ça qui doit boussole en policier, c'est la loi. C'est la justice. C'est ça qui doit boussoler. C'est les bouquins Benamon l'a pas agi dans ces policiers. Je dis à nous très fiers au niveau de l'opposition en ce qui concerne la marge de la mobilisation. Nous constatons mobilisation, je dis à multiforme et multisectorielle. Je dis à
c'est pas seulement opposition qui a fait mobilisation, c'est pas comité mobilisation qui a fait mobilisation, c'est tout pays qui est rentré dans mobilisation, c'est le pays dans sa diversité jodiak dans mobilisation. Chauffeurs motocyclettes, protestants, fédération barreau, groupe droits humains, syndicalistes, professeurs l'école, paysans, jeunes femmes, tout le monde rentre dans la mobilisation pour respect constitution. Par exemple, demain, on rejoint une mobilisation dans Port-au-Prince, ce n'est pas l'opposition qui lance, c'est des étudiants et c'est des artistes qui lancent. Et après là où il y a demain, 21 février 2021, pour exiger le respect de la Constitution. C'est une très bonne chose. On a participé comme citoyen, mais ce n'est pas nous-mêmes pour nous. Tout le monde a fait, c'est nous-mêmes. Lundi, c'est syndicat, motocyclette, chauffeur motocyclette, qui a fait manifestation pour faire solidarité avec Zamio, Camaradio, qui a été assassiné le 14 février 2021 en Delma 95. C'est une très bonne chose. Dimanche 28, c'est pasteur protestant qui prend l'initiative là. Avec Fédération des Barreaux, avec groupe droits humains, syndicalistes. Jodia, la mobilisation est multisectorielle. C'est tout secteur dans le pays. Diaspora, tu es dans la rue au Canada hier vendredi. Qui passe là. Bref, c'est tout le monde qui est dans mobilisation et nous très fiers de ça. Nous remets ça en pile parce que l'on parle de défendre la démocratie, défendre la constitution, ce n'est pas affaire opposition, c'est affaire tout le monde. Et c'est très important et nous très fiers du comportement société civile là qui engagé Koreram Jodia dans cette mobilisation pour le respect de la constitution parce que nous tous nous connaissons 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. C'est pas nous qui dit comme opposition, non seulement tout secteur dans la vie nationale l'a dit, mais le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend une résolution quand elle dit mandat Jovenel Moïse fini. Bref, même si Jovenel a fait tout ça, l'a fait là, c'est désordre l'a fait, mais monsieur connaît que ces jours sont comptés parce que mandat fini, il n'y a pas de mandat encore sur le plan constitutionnel. Je dis à grand pile monde dans le pays qui a posé question. Qui qualité de transition nous allons offrir nation? Et je voulais rassurer tout le monde qui a tenté prise de parole ça. Transition qui va le faire là, ce ne sera pas une transition partisane, entendez-le bien. C'est pour une transition, parti politique va le prendre en otage pour régler les affaires par eux. Ce sera une transition équilibrée. Transition a bien monde politique là-dedans. Mais la bien monde société civile là-dedans. Faut qu'il y ait là. La bien monde diaspora là-dedans. Transition 1. Il va pas chasse garder aucun monde dans le parti politique. Aucun monde dans la société civile. Son transition qui pourra le faire sous le signe de la vigilance citoyenne. Faut que les citoyens soient mobilisés pendant la transition 1 pour assurer que le procès Petro-Caribe avance. Le procès massacre la Saline, Belle Cité Soleil avance. Que la conférence nationale la fête. Que le débat sous la constitution la fête. Ce sera une transition de rupture, une transition équilibrée, une transition placée sous le signe de la vigilance citoyenne et patriotique. Et moun qui pral dans transition, hein, c'est pas sous base appartenance politique ou bien dans société civile y a pneto. C'est sous base compétence ou sous base engagement comme citoyen en bataille pour démocratie à pour la donne. Tout le monde qui prend le rôle dans la transition, hein, quitte ses ministres, quitte ses directeurs généraux, quitte ses premiers ministres, quitte président, que population a déjà acclamé, déjà choisi, avant de rentrer en fonction, tout le monde a fait déclaration patrimoniale pour compter combien de corps vous gagnez avant président, combien de corps vous gagnez avant ministre, combien de corps vous gagnez avant premier ministre, combien de corps vous gagnez avant directeur général. Demain matin, pour ne pas attendre, pour acheter un caillou au Canada, Laval, pour 15 millions. Bref, ce sera vraiment une transition de rupture, ce sera la dernière transition. Et faut que son transition coupe fâchée, qui permette nous craser le système pesé sous sexima et misère dans quatre coins pays, qui permette nous craser la corruption qui fait pays à pauvre. Et c'est ça que fait nous demander encore une fois à tout le monde qui attend de nous là, pour nous engager dans la bataille pour respect de la constitution, hein? Pour nous engager dans la bataille pour nous capables de réussir la transition. Ça, c'est pas pour une transition, même gens qui ont fait déjà, ils ont des ordres, les gars gaspillés, pauvres, tant que Jean Matéli fait avec Jovenel pendant 10 ans, ils ont fait sous pouvoir. Ce sera une transition de rupture, une transition coupée fâchée, non partisane, équilibrée, participative, placée sous le signe de la vigilance citoyenne. Une transition côté, nous allons mettre l'ordre dans la finance, l'État. Faut nous qu'on qui machine au ministre à poulet. Faut payer à qu'on ait combien de gaz l'État bas chaque mois pour machine. Si on est obligé de bon machine.
faut qu'on combien quoi qui dans budget subvention chaque ministère. La population doit le savoir. C'est ce que nous appelons une transition de rupture. Et comment on distribue les subventions, hein? Est-ce qu'on sous ces monde la Tibonite, sous ces monde Jacques Mel, sous ces monde Port de Paix, sous ces monde Port-au-Prince, ces monde organisation pour seulement bail tout subvention, hein? Bref, je pense que il y a lieu de croire, il y a lieu d'espérer que nous aurons dans ce pays une véritable transition de rupture, une transition coupée fâchée qui permet nous sortir dans l'obeil. Nous est là dans l'obeil PHTK là que nous là pendant plus passé 10 ans, dans l'obeil nous y est depuis au fin assassiné Papa Nation, hein, pour nous rentrer vraiment dans la modernité politique, dans la modernité administrative. Il y a des gens qui disent, des gens qui sont en opposition pour parler dans l'élection comment. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti s'appelle Jovenel Moïse. Comment t'as fait? Et là, je m'adresse à la communauté internationale. Comment t'as fait dire pour mal dans l'élection avec un nègre qui était président, mandat finir qu'il y a le pouvoir? Ben, ce n'est pas possible, soyons sérieux, aurait dit le professeur Maniga. Comment t'as fait dire pour mal dans l'élection avec un nègre qui mettait gang dans tout le pays? Même dans le département Sorel-Jacinthe, dans la grande danse, les Iwa, monsieur mettait gang. Mais ce n'est pas possible. Faut ne pacifier le pays. Ya. Comment t'as fait parler de l'élection avec un conseil électoral qui a 9 membres PHTK là-dedans? Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti, la communauté internationale doit le comprendre, c'est Jovenel Moïse, c'est ce pouvoir anticonstitutionnel. C'est ça la vérité. Mais transition, hein, l'Elfine fait toute réforme. Yo. Transition a fait élection, libre, honnête, démocratique, pour nous renouveler personnel politique là de manière démocratique. Bref! Aujourd'hui, la communauté internationale doit comprendre la nécessité d'accompagner le peuple haïtien dans cette bataille pour le respect de la Constitution et la réussite de cette transition qui est devenue inévitable. Mes chers compatriotes, merci. Concernant ce qui est passé dans Gonaïve, les chefs gang qui ont les journaux là ont débarqué avec Pilnek, Pilzam, et ils ont fait déclaration. Ils ont même dit qu'il y a des gens qui ont tapé sous domaine. À savoir, comme c'est dans la Tibonite, il était parlé clairement avec le sénateur Yuri Latoti, et tout le monde était, ouais, c'est de l'île qui parlé, il était cité non avant ça. Et tout de suite après, bagaille ça, nous, ouais, eh bien, non seulement ils ont attaqué chef sécurité, ferme sénateur Latoti, mais tout, ces derniers temps, ils viennent devenir une cible pour pouvoir. Mais en même temps, tout, nous venons dire, monsieur, il pas pour contre. Parce que l'on a mis en équipe ça, ou pas qu'à victime pour compte. Si vous êtes victime, nous tous êtes victime. Et si nous tous êtes victime, vous êtes victime avec nous. Nous venons dire, monsieur, pas pour compte. Deuxièmement, nous constatons, il y a un monde qui sénateur Nenel Kassi, que pouvoir dire, quel que soit Jean Saïe, il faut qu'il élimine l'élément ça. Chercher dossier, il n'y a pas de dossier. Mais cette fois-ci, il mettait des bandits pour contrôler sous tout territoire ou bien sur tout périmètre qu'il a passé. Donc je dis, nous venons du sénateur Nenel Kassi, nous connaissons en difficulté. Mais ce n'est pas nous-mêmes seuls qui sommes en difficulté. Ça qui a privé là, c'est nous toute la privée, donc on va pour compte. Et nous venons du chef gang qui est le Jovenel, qui est parlé en otage là, pas qu'il y a une nous là capable de faire peur, parce que mission nous, c'est déchouquer tout vagabond qui est folie dictateur, qui a besoin de tirer pays à pi mal, qui est côté lié, je ne vous dis. Dans le contexte, nous félicitons tout secteur qui d'accord fourre mais ou dans pat là qui dit yo pas ka la gosse chay ça nan men nèg qui fait politique seulement ou bien moun qui réclame de l'opposition seulement. Donc permettre nous dans comité citoyen nan, nous féliciter quel était l'église catholique, l'église protestante, n'a pas tant l'église adventiste et l'autre l'église yo pour dire yo chay ça nous pas ka porter pour compte nous besoin l'autre monde, nous besoin l'autre force, nous besoin l'autre secteur avec nous. Une félicité tout le monde qui était dans la rue. Hein. À noter, nous pas tout le secteur privé. Hein. Est-ce que c'est parce que Jovenel t'a dit, eh bien, depuis qu'on est au Baïkob, la privé sous yo, nous pas connaît. Mais ça qui est important, tout secteur ça a été pris responsabilité yo, et le peuple a été répondu présent. Et tout le monde était des milliers de monde qui était dans la rue pour te dire non, il n'est pas d'accord avec la dictature. Permettez-moi de féliciter une série de journalistes bien connus, M. Morin, Mme Liliane Pierre-Paul, Jean-Mona Metellis, je cite ça seulement. Et qui connaît qui qualité combat ou te mené pour te empêcher dictature fait dans le pays et puis qu'on a eu a fait face carré avec lui. Donc moun sa nous dit bravo et n'a pris tant nous encore dans l'autre jour parce que chay ça nous pas capoter pour compte nous. Donc dans contexte ça tout artiste prend responsabilité pour yo dit demain dimanche cap 21 à côté étudiant yo
à côté l'autre secteur, à côté organisation de Basio, demain dimanche, il y a dans la rue. Dimanche cap 21 pour dire, eh bien, ça qui a passé là, c'est responsabilité de chaque grain de monde pour ne pas d'accord, Jovenel, rester là au-delà du mandat qui finit depuis 7 février et qu'on a le mettre à rallonge sous tête. C'est vrai, eh bien, en pile monde te connaît. 7 février, il y a pile bagaille qui t'a fait pour nous empêcher Jovenel de rester là. Nous n'avons rien pour nous reprocher tête. Parce que tout ça, la loi, bah, nous comme boussole, nous fait tout. Mais ce qui est important, c'est que, bon groupe bandit, Jovenel mette des âmes dans main. Il y a la police, Jovenel mette uniforme sur eux. Il y a sacré l'armée d'Haïti. Ils ont tous été très mobiles le jour 7 février pour te supporter Jovenel. Après ça, ils ont eu un support de Mme Simpson, ils ont eu un support de la RIM qui permet nous dans nos salles, ça, je dis. Gangou, misère, chômage, la vie chère, insécurité, c'est Mac Fabric pour voir ça quitter pour nous là. Donc demain, nous disons artistes merci, nous disons étudiants merci, qui aiment la rue et qui continuent à kembel demain si Dieu veut. Et lundi, cap 22 février, a bien syndicat et syndicat moto qui dit eux même par rapport avec ça qui passé comment ils touyé youn nan yo yo va croiser pour être et me détendez yo déjà écrit la police et y a prend la rue et zone côté yo té boulé et bien yo chauffeur moto avec toute moto là y a dans zone ça on veut parler de Delma 95 ça veut dire y a là et demander peuple haïtien accompagner chauffeur moto yo mardi cap 23 février. C'est pour la mobilisation nationale. Ça veut dire que c'est tout le pays qui a levé campé. Sous toute forme, toute ça la loi, bah nous, juste ça comme boussole, tout le monde doit utiliser parce que la loi fait face carré avec sacré les dictatures. Il faut prendre responsabilité. Et chauffeur moto et tout, c'est de voir pour lever campé dans tout le pays. D'ailleurs, nous, ce n'est pas le monde politique qui a attaqué. Ils ont attaqué tout. Mercredi, nous avons parlé de lui déjà, cap journée mobilisation, une journée de sensibilisation, ça veut dire conférence de presse, conférence de bas, exposition photo, tout le bagage ça a fait pour sensibiliser plus de monde, plus de secteurs pour entrer dans la bataille là. Même là, nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous continuons à dialoguer avec l'autre secteur, l'autre monde qui peut entrer dans la bataille là, pour rentrer là-dedans. Mais on dit jeudi, a gagné une manifestation qui a fait en dans Pétionville et pourquoi pas dans tout le pays là. Ça veut dire c'est mouvement troublé sommeil. Folie dictateur, c'est ça, eh bien, opération ça déclenché. On dit vendredi, cap 26, et samedi 27, c'est presque même bagaille à la pied, c'est journée de sensibilisation. On dit sous champ de massa, a bien exposition photo, a bien opération bac ténèbres, a bien différents autres mouvements cap fait, en attendant que nous arrivions sous dimanche, cap gros bagaille là, qui prend le méga bagaille, même Jean Théier. Eh bien, dimanche passé, il est capable même plus encore. Donc, dans le contexte, nous féliciter eh bien, tout le monde qui fait partie de la commission, ça, qui gagne l'église protestante, l'église catholique, et qui mettait campé et qualité commission, ça, qui va le permettre, eh bien, fédération Bao et syndicat, qui va le permettre, eh bien, mobilisation, vient amplifier dans la rue. Hein. Mais si nous avons parlé de 28, nous parlons de monde l'église qui prend responsabilité. Yo. Mais maintenant, tout nous dénoncer. Il y a un groupe moun qui réclame tête de l'église, qui déjà chita par en bas, prend un cop dans mes Jovenel pour capable craser sa gain là. Et demander avec peuple haïtien, ouais, matin, on très slow pour me dire nous, suivez moun sa yo. Gardez figu yo, gardez adresse yo, connaît famille yo. Parce que tout moun qui d'accord met tout dans misère, tout moun qui d'accord met tout dans grand goût, tout moun qui d'accord met tout dans souffrance, ou qu'on joue traite avec yo. Et m'a fini pour me dire, phénomène d'insécurité à tout moun, ouais, comment la galoper. La grandi tout de suite après carnaval Jovenel là l'argent fin gagoté fin dépensé dans port de paix nous ouais et bien carnaval kidnapping là il vient démarrer dans Port-au-Prince. C'est avec un pile tristesse nous mêmes qui sous panel là qui c'est maman avec papa petit pour nous garder avec des yeux nous un petit monde une petite fillette de 5 ans petit on marchand de pistache et puis pour nous ouais nèg prendre mandé $40,000 américains l'œil ou pas jeune cob là yo panni yo la gueule dans la rue son pont. Donc ça, il y a tristé nous. Et là, nous gardons journée aujourd'hui en encore, vie nocturne, pas gagne ça, moun pas ka marcher la nuit. C'est comme si depuis le 3h de l'après-midi, tout le monde a pété courant entre la caou, ça vient la cause, tout côté dans le pays a un blocage et un blocus monstre. Je profite de ce passage pour me dire, nous, ouais, la police très active. Pour craser toute manifestation, toute unité de la police toujours présente, pour craser mobilisation, pour bailler gaz, pour arrêter moun, pour attaquer la presse qui vient de devenir cible, eh bien, pour voir ça, parce que moi, je m'appelle les policiers. Songez tout combat nous avons mené. C'est la presse qui est toujours accompagnée nous militants. Et nous, ces derniers temps, la presse vient tourner cible. Nous voyons comment des journalistes, malgré les maillots lisiblement qui marquent presse, ils ne sont pas épanouis. Ça veut dire nous bombardons à gaz,
nous bombardons à balle caoutchouc. Même nous suivons tout. Yon machine radio télépacifique qui plein journalistes étrangers ou haïtiens. Nous bombardons à gaz lacrymogène. Ça veut dire nous profitons de l'espace pour nous dire comité mobilisation citoyenne fait solidarité avec tout journaliste. Mais nous venons dire nous n'avons pas arrêté seulement dans la solidarité. C'est responsabilité de chaque citoyen pour qu'on ait. Dans ça, je venais de mettre nous là. C'est nous tous qui pour camper. Nous n'avons pas marcher dans la rue. Nous n'avons pas aller dans la rue. Nous n'avons pas un bon téléphone dans la rue. Tout côté passé, c'est groupe gang. Même dans la zone qui est pire reculée, nous avons fait face carré avec phénomène d'insécurité. Donc nous demandons peuple haïtien. Tout mouvement qui a fait là, lever, camper, j'en capable. Même pas fini net pour me dire peuple haïtien, regardez bien pour nous. Chaque fois que pays a pas loc, kidnapping a recommencé. Tout le monde victime. Donc, je ne peux pas souhaiter, je ne peux pas aimer. C'est chaque fois un secteur victime et puis nous bloquons une zone. C'est un bon matin pour nous lever, pour nous fermer le pays. Avec tout kidnapper. Avec tout nègre qui n'a pas pouvoir ça. Avec tout policier et tout. Parce que normalement, ils sont très actifs pour écraser les manifestations, mais ils ne peuvent jamais dévier un cas kidnapping. Donc, automatiquement, le pays a fermé. La plus facile pour nous jouer un résultat, chute Jovenel. La plus facile pour nous jouer un résultat, eh bien, question kidnapping, nous avons fermé ça, une fois pour toutes, automatiquement nous fermons le pays. Moi, je ne sais pas plus de choses, je dis, je crois que le calendrier a été lancé, c'est pour la responsabilité de chaque citoyen pour lever le camp. Je dis, là, nous tous qui là, nous connaissons, en tout cas, je salue et la presse qui fait déplacement qui vient là. Je dis, là, nous enterrons Romario, nous enterrons Dufresne, et nous avons crié la mort et Olsmina que il était kidnappé au tuyau. En tout cas, et si n'a regardé et trois monde ça on se dit là, nous connaît Romario, c'est SWAT qui Kimbel Delma 67 47 48 excusez que yo tuyel, yo bat littéralement le vomissant le mourir. Nous connaît Dufresne comment mourir, c'est un groupe bandit allié PHTK qui Kimbeli et dans 95 qui brûle la tout en moto. Et nous avons un petit petit, 5 ans, nous demandons qui ça a été fait, mais le seul ça a été fait, c'est de vivre nos pays. Il fait sous régime PHTK, la vivre et puis kidnapper, yotouille. Eh bien, c'est dit, nous dit nous que nous avons une machine la mort qui est sous PA depuis 10 ans. Machine la mort, ça, l'a effacé l'adresse. Il boule les caïmouns dans le quartier populaire. Il fait bandit, il boule les caïmouns dans le quartier populaire. Il fait 9 massacres dans le pays. L'elfin fait massacre, li non seulement li boule moun yo pour effacer identité. Ça veut dire son régime qui peut effacer identité, qui peut effacer adresse pauvre malheureux dans quartier populaire. C'est peut-être ça nous même qui la journée jodi a nous réunis pour nous dire mobilisation yo y a continuer. Mobilisation yo marche longue. Yo marche longue jusqu'à ce que ex-président ça qui pensait que les cas font dictature dans le pays, les rachés Mayocli. Eh bien, nous-mêmes, je ne dis pas, avons fait annoncer quelques activités qu'a faites, parce que moi-même qui l'a fait, je chapeau, non seulement artiste, mais en tout cas, je suis étudiant encore, parce que dans la bataille pour réforme université, je ne sais pas, mais moun que et dictature qui n'a tête électorale, te mettez dehors, mais moi-même, je dis, dans 27 000 km², pas de monde qui a mis dehors, j'en ai acheté qu'a fait dans le pays. Eh bien, moi dis que demain dimanche là, a bien étudiant au cap font marche et y a réuni devant la faculté de technologie, y a fait parcours respectif yo. Et artiste surtout a bien porté les bras et avec étudiant yo pour yo marcher parce que une bagaille qui pour nous connaît, moun qui bataille contre dictature c'est jeune nous que nous considérer année et par exemple 46 que nous garder et année 60 yo sous Duvalier. Que nous gardons 86, que nous gardons regretter l'événement 2004. Je ne dis à tout, je pense que c'est les jeunes femmes, jeunes garçons qui, pour mettre la canson dans la taille, pour la bataille contre la dictature. C'est ça que fait. Les mois étudiants sont rentrés dans la bataille, je ne dis à tout, content. Je me sens que le pays a pas le long souffle parce que les jeunes qui peuvent occuper le poste Pita, pensez que le pays a tellement important pour eux, il faut commencer la bataille depuis jeudi. Au moins, les gens qui le président, ils ne le sénateur, ils ne le directeur général, ils ne pas parti sous zéro. Jean ne PHTK pas faire le pays. A. Non seulement sous zéro, mais finalement moins 1, moins 2, moins 3, moins 10, nous arrivons là en thème 2. Et ça nous gagne comme matériel et ça nous gagne tout comme monde qui a disparu ou qui a détruit en termes de morale dans le pays. A. Eh bien, dans lundi, il y a un autre événement, c'est syndicalistes,
syndicaliste moto yo cap dans l'aria avec étudiant en tout cas syndicaliste tout syndicaliste moto yo cap devant ban nan et puis l'autre syndicaliste cap accompagner yo et puis gagner étudiant par la suite en tout cas cap qui est mobilisé cap devant et chaque faculté devant ethnologie devant faculté sciences humaines devant inagi cap qui est mobilisé qui dit y a campé beaucoup de maman yo massacré qui était dans quartier populaire parce que d'ailleurs j'aime dit nous projet l'amour qui statue sous pays a son projet l'amour qui visait quartier populaire cap effacer la vie moun identité yo à adresse yo et ben tam tap dit et n'a rete mobiliser toute jeune en dans pays a que ou t'es dans n'importe quel département côté très loin pays côté rete asile boutou bien très loin genre monde d'asile là symbolise en tout cas symbolise loin c'est asile boutou bien dans Guinée nous mandé pour nous mobiliser parce que c'est jeune format jeune garçon qui bataille contre dictature quel que soit côté dictature jamais jeune format jeune garçon toujours campé pour bataille contre ça merci. Nous saluons la presse et que nous-mêmes dans l'organisation de base nous dit moteur mobilisation relancé puis raid dans toute organisation de base n'a demandé pour yo mettre botte dans pied yo pour yo prendre la rue pour nous mobiliser contre pouvoir inculper ça contre président Pepe ça président qui mandat fini qui était sous pouvoir. N'a demandé toute organisation populaire. M'a pas demandé organisation la Saline pour le camper. Mais m'a demandé toute militant la Saline qui est éparpillé partout pour yo camper. Militant Bel Air, militant tout côté pour yo reprendre mobilisation pour nous lancer mobilisation pour nous dire nous pas capable encore. Parce que nous mêmes femmes nous subit trop. Mari nous mouri. Mari nous kidnappé, petite nous mouri. Nous dit nous pas capable encore. Nous même dans quartier populaire, nous pas gain l'argent pour nous bail kidnappé. Nous est président Jovenel mette gang, mette kidnappé. Ancien président, mette gang, mette kidnappé pour kidnapper nous, pour mander nous l'argent. Jodi a carnaval fini, jodi a kidnapping a recommencé puis raid. Nous même nous mandé tout peuple là mobiliser, lever camper dans toute mobilisation qui lancé, prend la rue, hein. Pas arrêter chita la caille nous pour vite kidnapper nous dans la caille nous. Tant pour kidnapper nous dans la caille nous, vaut mieux que yo prend nous dans la rue, hein. Yo ka tuer nous, yo ka brûler nous, même gens yo brûler frère nous qui chauffe moto en 95 ans. Mais nous ka joine corps nous pour enterrer. Que yo tuer nous, que nous mouri, pas arrêter la caille nous. Prends la rue pour nous aller dire halte là. Parce que le président Jovenel m'a dit fini. Il est supposé quitter le palais. Je dis à nous, il mettait un dictature pour manger les gens, tous les militants, mettez un mandat derrière tout dirigeant politique, faire prendre exil. N'a gardé Yuri Chevry, côté jodi a c'est en exil lié, n'a demandé tout dirigeant, tout militant, mettez pied nous à terre, quittez tout intérêt, mais ce que nous décoté. Pour nous retirer Jovenel sous pouvoir. Ennemi nous, ennemi comme nous, c'est Jovenel. Parce que je dis à nous, je dis à Jovenel prêt pour le battre nous, pour le tuer nous, pour le kidnapper nous, pour le faire nous tout bagay. Parce que mandat fini, les babites, les devant pour le faire nous salver. Nous dit tout peuple là, rete mobilisé. Tout ça qu'a organisé, prend la rue. Pas rete chita la caille nous, parce que nous arrivons, nous, on est là. Fok Jovenel, allez! Fok Jovenel, suspend tuer moun! Fok Jovenel, suspend kidnapper! Personne pa nye dans le pays! Tout moun sujet à kidnapper! Nous mandé pour tout peuple là, lever, camper, pour nous dire non! Non! Nous pas capable encore! Merci, merci. Non! Non! Non!